Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ransmulator, pour l'épisode 2 exactement. Dans cet épisode 2, nous allons faire notre puits de pétrole et faire aussi des quêtes. Donc là, on a commencé à bien avancer sur le premier épisode, on a commencé à avoir nos premiers cochons et on a fait leur enclos. Donc, tac. Ce qui est plutôt propre en soi. Là, par contre, ça va me bouffer les 50 litres d'un coup. Est-ce que vu qu'on se lance dans le pétrole, je l'ai dit au dernier épisode, ça coûte un peu de pognon. Et je vais vous montrer l'état de compte en banque. Ça va parler de soi-même. Hein. On est à 0,40. 0,42 centimes, donc ça veut vraiment tout dire. Donc, ce qu'on va faire, là, on a notre premier puits de pétrole. Lui, il va charbonner le temps que nous, on va aller faire des trucs bidons, mais très, 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 très utiles. D'accord? Donc, nous, on va aller faire tout simplement les quêtes. Des quêtes qui nous donnent en soi pas mal de. Donc on va y aller tout de suite, comme ça il n'y aura pas de problème. Si je me souviens bien, c'est pas par là, c'est l'inverse. Après, je pourrais faire celle du chasseur, mais celle du chasseur elles sont un peu plus chiantes. Donc Le mec qu'on va faire, c'est un peu plus chiant, mais on est payé mieux, quoi. Donc, voilà, donc là, tac. On était juste à côté, en fait. Je me suis éloigné comme un bêta. Mais c'est pas grave. Le temps, c'est de l'argent, mais là. Là, normalement, on va tomber sur pas mal d'ours. C'était le seum. Ah, vite, recharge, vite, vite. Oh, merci à la voiture. Ouais, franchement, les gars, on peut dire un grand merci à cette bagnole. Parce que. Alors, péché que l'ours m'attaque. Alors que normalement, un ours, une voiture être comme ça, gros. Ça te la prend, ça te la retourne, ça te. Et plein de choses avec. Et je regarde parce que là, normalement, enfin, c'est bon. Il y a déjà un puits, mais là, il n'est pas là. Et il y a un autre puits. Un puits, ça? Non. C'est pas un puits, dégoûté. Mais il y a d'autres ours. Voilà, la preuve. Calme-toi, wesh! Alors, quand je disais qu'il pouvait retourner de voiture, c'est peut-être pas comme ça que je le voyais! Ah putain! Il a retourné la voiture comme si c'était un steak, gros! Il m'a fait bugger dedans! Et je pensais pas qu'il allait m'aggro comme ça, en toute honnêteté. Donc, à savoir, quand vous avez votre arme en main, vous ne pouvez pas monter dans les véhicules, vous pouvez quasiment rien faire. Ce qui est assez chiant, mais en soi, on s'en fout un peu. C'est pas très très grave. Voilà, la quête la plus chiante, ça va être les trésors. Honnêtement. Et encore. Voilà. Tac. Donc, livraison de remorque, ouf, accepté. Déconstruction, accepté. Donc là, voilà, j'en étais sûr, il faut en faire deux. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va démolir cette merde.
Tac. Ça prend vraiment 2 minutes en plus. Donc, ça va. Y a pas à se plaindre. Hop. Un petit dernier là. Et c'est déjà réglé, j'ai envie de vous dire. Pour celle-là, en tout cas. Donc, tac, on va aller lui parler. Hop là! Salut, monsieur. Démolis la grange. Merci, 400$. Boum. Donc là, c'est ça. Je disais que c'était un petit peu chiant. Et vous allez voir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de points. C'est pour ça que je dis que c'est chiant. Donc, on se retrouve sur le premier trésor. À tout de suite. Hop, donc nous voici. Là, il y a le casque. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, da casque coupe. Donc là, par exemple, j'ouvre ma carte. Et en gros, le casque, il est ici dans les montagnes. Donc moi, je les connais quasiment. Non, je sais pas quasiment, c'est que je les connais par cœur. C'est pas bon. Je l'ai fait qu'une fois, hein, mais. On a tellement l'habitude. Et là, du coup, on va se diriger à la dague. Parce que je sais que la coupe, c'est la dernière qu'on va utiliser. Donc, on va se diriger à la dague, tout simplement. Tac, re, les amis. Du coup, la dague, elle est juste là. On va récupérer la dague. Donc, sur la carte, c'est ici. D'accord. Et puis, voilà, vous avez à suivre ici. Hein. Pour moi, c'est le plus compliqué à trouver. Vraiment. C'est vraiment le seul qui on va dire les termes, hein, qui est casse-couille. Hein, c'est le plus casse-couille. Après, et c'est pour ça que je vous dis aussi, prenez la remorque à livrer, parce que le prochain se situe juste à côté de la remorque. Donc, prenez les quêtes comme ça, comme on vient de faire. Comme je viens de faire. Hop là. Hop. On va aller chercher du coup la coupe. Hop là. Voilà. Tac. Notre petite coupe. On va aller chercher la remorque juste en bas. Hop, on aura tout. Ça se situe ici. C'est à côté de la station de toute façon. Ouais, c'est pour ça que celui-là il est très très simple à trouver. Mais par contre, ce qui me déplaît, c'est que j'ai toujours pas trouvé le deuxième puits de pétrole. Et partir à la recherche du puits de pétrole. Tac. Hop là, bon déjà on s'est fait déjà un peu de poignons. Avec les deux quêtes qu'on va finir là en plus, on va en faire encore plus. Et en attendant, les cochons, ils ont eu le temps de prendre un peu de poids. Enfin, je vous dis, les cochons, pour que ça snowball, le temps que ça snowball, on a le temps quoi. Vraiment, c'est. C'est infâme de conduire avec une remorque. Ah. Tac. Parce que croyez-le ou non, mais enfin, attention, dans la vraie, comme dans la vraie vie, le pétrole, en fait, un baril entier, c'est 500$. Et c'est vraiment du farm passif, hein. C'est-à-dire qu'on met ça. Attends, faut que je tombe pas, quoi. Hop. Ouais, donc c'est vraiment du farm passif parce que vous posez votre truc, à part remettre du gasoil, c'est tout ce que vous avez à faire. Votre machine a farm pour vous tout seul. Sans que vous fassiez rien, sans que vous touchiez à rien. Donc, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus facile.
J'ai apporté la remorque, j'ai apporté les trésors. Donc là, vous voyez déjà, boum, Riwa, 3000 balles de quête. Donc ça, c'est le top. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a bugué là-bas. Mais bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, je vais essayer de trouver le puits de pétrole, le dernier puits de pétrole qu'il nous faut. Pour être sûr que... J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir un peu plus tard, mais... Allez. Ouh là là. Ah, je suis monstrueux quand même. Oui, donc du coup, je vais essayer de trouver le dernier puits de pétrole, le construire. Pour que je puisse... faire le pétrole. Donc du coup... Ça va être le plus compliqué. Le plus compliqué aussi, c'est d'user les animaux correctement. Et bien la Bambi. Tac. Hop, on va prendre le gibier. C'est pas qu'on fait du pétrole, qu'on ne peut pas se faire un petit peu de pognon là-dessus. En fait, tout ça, ça va nous permettre d'acheter pas mal de choses, par exemple pour le ciment et le métal. Parce que je vais faire des puits et des greniers, donc ça sera certainement pour la fin de l'épisode. Une fois qu'on aura vraiment tout ce qu'il nous faut, et on aura aussi trouvé le dernier puits de pétrole, parce que là je crois que j'aime pas le dernier puits de pétrole, mais il nous casse un peu les roubignoles, hein, on va parler franco. Ah, c'est toujours la même chose. Le porc, pour le moment, on en a pas. On en ramènera en C6, de toute façon. Le temps d'ambi, t'es parti où? Hop! C'est bien de faire du Pognax. Ça va nous financer tout le reste. Du coup, hop. Let's go chercher le puits de pétrole. C'est parti. Et voilà le puits de pétrole qui est trouvé. Hop. Et tac. Ah, du coup, putain, j'ai oublié de prendre du... de l'essence, mais ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la cacaillerie chercher deux jacanes en plus. Comme ça, au moins. La cacaillerie est juste là, donc... Tac. On va prendre deux jerrycans en plus et les barils. Mais les barils, je les prendrai pas avec moi là maintenant. Tac. Les barils, je les prendrai quand j'achèterai une nouvelle voiture. Donc autant dire que ça sera pas tout de suite. Là, les barils, je sais même pas si je peux les loger à l'intérieur ou pas. Je vais faire ce que je vais. Je vais quand même essayer. Tac. Hop. Voilà. Donc voyons voir. On peut en mettre un pour sûr.
On peut mettre les deux. Bon. Voilà, c'est qu'on va devoir le descendre quand on arrivera à la station. Mais est-ce que c'est très grave? Hop, non. Je suis en train de chercher la direction de la station. C'est par là-bas. Tac. Voir un truc en haut là-bas. Enfin, j'ai cru voir, j'ai vu un truc là-haut. Tac, dites-vous que ça, on est obligé. Il est où? Il est tué, non? Ah, il était là-bas en fait. Il y en avait plusieurs, on va tourner. En plus, ça fait plus de graillou. Même s'il y a un loup, c'est pas grand-chose, hein. C'est de viande. D'ailleurs, ça me paraît bizarre, hein. Ça rapporte si peu. Un loup, quoi. Parlons pas de la biche et de l'ours. Mais... C'est assez couillu par rapport à ça. Hop, donc là maintenant qu'on a fait qu'on a les deux puits de pétrole, on va les remplir avec l'essence. Donc je pensais toujours avoir des jerrycans normalement pleines sur soi. Là moi j'avais oublié de faire plein, donc c'est complètement qu'on n'a pas. Tac. On va faire le plein. T'es trop loin, j'ai les cannes. Tac. Y'a pas moyen de le poser. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reposer le baril, s'il te plaît. Enfin, peut-être que ce sera plus facile. Non, alors là, ce sera beaucoup plus simple. Là, vous voyez, je vais partir sur un truc très important. Yep là. Non. Et là, du coup, touc. Un petit réservoir, donc normalement, ça va aller très vite. Et voilà. Donc là, les barils, de toute façon, on va pas les garder sur nous. Et puis après, moi, de toute façon, j'ai prévu, encore on avancera dans notre let's play, j'ai prévu des véhicules spécialement pour... certaines choses. En gros, il y aura un véhicule qui aura une... Par exemple, ils auront quasiment tous des remorques, mais il y a un véhicule qui va être avec une remorque pour... un petit cabine pit. Je sais pas ce que j'ai là, parce que... C'est pas moi, ça. Hein. Il y a comme une chef comme ça, là. C'est pas du tout moi, mais après c'est seul ceux qui ont joué pour comprendre que c'est un peu complexe de tirer sur l'animal court. Et en fait t'as le... S'il court en fait tu shot la balle. T'as le bullet drop, t'as tout ce qui va avec, quoi. Je viens de voir, on va pouvoir se faire du pognon là avec. Ah.
Avec tous ces animaux qu'on est en train de dézinguer là. Tac, l'hôtel est plein, donc ça sert à rien de la prendre. C'est pour ça que je prends celle-ci. Maintenant, il va falloir aussi agrandir notre stock de valises comme ça, parce que tout à l'heure, on va en avoir besoin d'un bon petit stock. Hop, là, vous voyez, regardez, 30. Donc, on va mettre un baril là. On va remettre le plein. 30, là, c'est 300. Hein. Juste au cas où, je le dis, 30, c'est 300. Pourquoi je le laisse là et pourquoi je vais pas le vendre maintenant? Parce que ça me sert à rien de le vendre tout de suite en l'état. Je préfère vendre des barils quasiment qui sont pleins, on va dire. Là, si je vais juste pour un. Sauf que celui-là, il a l'opposé en fait de la vente. La vente est située là ou là. Tac, donc là on met ça là. Et ça fait un baril pour monsieur. Enfin, une jerrycan. Je vous rappelle que tout à l'heure, la jerrycan, elle a pas fait tout le taf. Tac, tac. Hop, toi tu remontes. On croit c'est que tout à l'heure. Hop. Là, 50-50, c'est bon. Oh, oh mais l'enculé! Oh non, en plus ça passe pas à travers. Lâche-moi, cet enculé. Il m'a fait stresser. Oh putain. Oh, j'ai eu un jet d'adrénaline là. Ouais. Ouf. Je voulais pas mourir parce qu'en plus j'ai pas sauvegardé et là ça vient de me faire tilt et je vais aller vendre la bouffe et aller sauvegarder parce que ça va être dur là, ça sera dur à encaisser surtout que depuis tout à l'heure j'ai pas sauvegardé et on a fait pas mal de chemin donc là je vais aller vendre, je vais aller sauvegarder, on va s'occuper un peu des animaux. Et peut-être que pour la fin de l'épisode, on va s'occuper de faire des. On va s'occuper tout simplement des animaux à la ferme. Gibier 300 et 105. Donc là, on a 2700, c'est plutôt pas mal. J'ai envie d'acheter deux poulets, un coq. Un coq blanc, moi je l'aime bien les coqs blancs. Magnifique. Tac. Hop, le coq blanc, il est beau. Il est vraiment magnifique. Là, j'essaie de grader la place parce que j'ai peut-être prendre encore du blé. Parce que y a quelque chose qui me dit que les. Le goulouf là-bas, ils ont tout pris. 1, 2, 3. Même les poules d'ailleurs, parce que.
Ah, j'ai peur que celui-là. J'ai peur que celui-là ne pourrait ce point. Là, ça changera rien si je mets ça là, si je mets ça là. Même pas passer là. Bon, ah, on viendra le rechercher tout à l'heure quand on viendra là. Hop. Bon, je peux me mettre nulle part parce qu'il va tomber, donc autant le laisser là et savoir où il est. Et c'est pour ça qu'on va aussi s'investir dans une remorque. C'est 600 balles, il me semble. Donc on va investir dans la remorque. Eux, ils ont encore de la bouffe. Donc ça, c'est parfait. Pas mal d'œufs aussi, comment ça? Hop, à être là, donc. Il y en a d'autres. On va avoir des poussins aussi, donc c'est pour ça que j'ai pris un coq. C'est pour en fait renouveler le quota. Je n'ai pas encore acheté le truc là pour regarder. Non, pas encore. On va mettre ça là. Tac, ça. On va mettre ça là aussi. À savoir qu'on va utiliser le bout d'enclos là pour faire le poulailler. L'entrée en fait, elle sera ici, je pense. En gros, on va mettre le truc à grains et à eau ici. Les poules, elles ont pas besoin d'un enclos de fou furieux. Donc, autant faire un truc assez banal. Et en gros, moi, ce que je vais faire là, c'est qu'après, en fait, je ne tuiserai plus. Je vais plus. Plus les arbres quand je suis en train de faire. Comme je suis en train de faire. Sauf quand vraiment ce sera l'utilité pour faire de l'espace. En gros, moi, après, j'achèterai tout le temps les planches de bois, les trucs dans le genre. C'est un truc que. C'est un truc que j'ai vu et que je. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et quand t'as de la thune après une game, c'est pas dérangeant, quoi. C'est vraiment quelque chose de minime. Donc, et puis vu que moi, j'ai pas envie de défoncer toutes les forêts parce que je trouve que en fait, quand il y a pas d'arbres, c'est pas stylé, quoi. Il y a pas du flow, quoi. Donc, autant que je fasse un truc sympatoche. Avec des arbres, parce que les arbres, en fait, moi, dans ma partie, en fait, où je suis, là, tout ça, là, c'est quasiment coupé d'arbres, là, il n'y a plus d'arbres. J'ai pas mal déglingué les arbres, donc j'ai pas envie que dans cette partie, ça se passe la même chose. Parce que bon, les arbres, ils poussent pas, enfin, moi, en tout cas, dans ma partie, ils ont pas poussé, donc je sais pas si c'est parce que c'est moi ou autre, mais en tout cas, ils ont pas. Vous savez que ma partie est buggée, mais en tout cas, ils ont pas poussé, quoi. Donc, ce qu'on va faire, poulailler. On va faire le grand poulailler. Max 30 poules, je crois. Hein. Ouais. Donc, on va faire celui-là. Donc, on va le mettre ici. Donc, là, vous voyez, là, ici, ce sera l'entrée et la sortie, quoi. Tac. Là. Là, c'est l'entrée et la sortie. En gros, je compte faire un sas là parce que j'ai remarqué qu'ils prennent très peu de place. Enfin, qu'ils utilisent très peu de place. Donc, ma vraie question, c'est est-ce que je mets un autre le sas en avant là? Ah, ce serait quand même plus RP, on va dire. Je pense, hein. Je pense que ça serait quand même plus RP. Tac.
D'ailleurs, ceux qui ont des strats là pour build, n'hésitez pas, hein, je les prends. Parce que j'en ai marre de voir. Ah. Oh, là ça va, mais regardez, ça baisse au fur et à mesure, ça m'énerve. D'ailleurs, attends. Hop, celle-là, il n'y en a pas vraiment. Tac. Ouais, là, c'est encore en train de baisser, en fait. C'est ça qui me... Ça me... détruit. Tac, donc là, on va s'occuper un peu de nos tranches. On a été... À l'extérieur, on a lancé nos pétroliers et tout ce qui va avec. Donc, je vais vous dire, on va s'occuper un peu de nos petites poules. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite vider ça et le mettre là-dedans. Comme ça, même si on sait à peu près ce qui va nous manquer à prendre. Mais au moins, moi, les planches, je vais pouvoir les faire. Alors, pas de problème par rapport à ça. Tac. Tac. Ouais, là pour l'objectif fin d'épisode, on va essayer de terminer le poulailler. En tout cas, le poulailler là. On aura le temps, je sais pas. Parce que après, de toute façon, faut qu'on aille acheter une. Une petite remorque du métal. Hop. Remorque du métal, ça sera déjà pas mal. Sauf qu'à savoir que même pour les deux, il y en aura pour 1100. Bon, on a un petit peu de thunes maintenant, mais si on peut essayer d'en garder sur le teco, c'est toujours important. On a fait des quêtes là, mais je pense qu'au prochain, peut-être au prochain épisode, on ira faire les quêtes du chasseur. Ça sera les dernières belles quêtes que je connais, c'est que on va faire. Et après, de toute façon, ouais, on va avancer progressivement. De toute façon, il faudra acheter du bois pour faire notre nouvel atelier ou nouvelle grange, comme ça dépend comment on veut le désigner. Bon, ce sera plutôt un atelier. Hein. Ça va être assez long, assez fat. Mais au moins, on sait qu'on aura de la place dedans. Du coup, moi, à l'intérieur, j'ai déjà fait. J'ai fait du fromage, du... et du... hop. Tout ce qui est saucisse, tout ça. J'ai cru qu'elle voulait m'attaquer, la poule. Et parce que si vous prenez un œuf... un œuf fécondé, vous pouvez vous faire monter en l'air par la poule, hein. Je le dis au cas où. Mais vous pouvez vous faire monter en l'air. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Petite sauvegarde des familles. On a commencé à... Là, on a bien avancé. En un épisode, on va avoir... en deux épisodes, pardon. On va avoir deux enclos, les trucs de pétrole... Là, c'est vraiment propre. Si on peut faire un petit enclos par épisode, enfin, dit comme ça, ça sera facile. Mais non, ça sera pas le but, ça sera pas ça. Hein. Le but, c'est pas de faire un épisode, un enclos. Là, par exemple, à cet épisode-là, on va faire ça. On va essayer de faire ça. Mais d'ailleurs, on a fait aussi les trucs de pétrole. Hein. Les trucs de pétrole. Je vais essayer de moi le faire tourner pendant que. On va dire, entre le deuxième et le troisième épisode, je vais essayer de faire tourner les trucs de pétrole pour qu'on puisse remonter l'argent. Un petit peu d'argent pour nous financer le reste. Tac. Donc, à savoir que là, les poules vont être transversées là. Mais il va falloir build justement ici, là. Les. tout ce qui est puits de haut et grenier. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par. Craft. Les planches ici. Voilà. Parce que c'est là où il va y avoir le puits de pétrole. Donc là, je finis juste de faire les morceaux de bois qu'on a devant nous. Et on repart tout de suite
aller acheter ce que j'ai dit, donc remorque, métal, donc un sachet de métal, des 500 balles, la remorque, et je pense que je vais même acheter du bois tout de suite. Certains me diront, c'est un peu con, tu gaspilles de l'argent. Je peux comprendre, mais moi j'ai pas envie de me retrouver justement avec des bûches, ou même juste avec un désert là, parce que je crois pas qu'il y ait encore de fonctionnalités pour replanter les arbres. Et c'est même dommage, parce que moi j'aurais bien aimé qu'on puisse replanter des arbres à la main, où on achète par exemple un sachet comme pour le fromage, des trucs dans le genre, on achète des sachets de 20 graines d'arbres, et au fil des jours, par exemple il faut 3 jours pour que ça pousse. 3 jours in-game, ça serait une bonne idée, en tout cas pour pouvoir recycler la flore, quoi, enfin les arbres, quoi, parce que là. Là, rien que la maison qu'on va faire, plus la grange qu'on va faire, je peux vous assurer que si je m'écoute, tout ça part en fumée, donc on va éviter. Je vais pas me casser les couilles. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, du coup, le développement dans in-game. Mais au moins, on aura nos putains de. Nos putains de d'armes. Je sais pas au bout de combien ça se. Hop. Hop. Ça se lance ou quoi? Enfin, ça se re... si ça se re... si ça repousse, tac. Alors. 1. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bien que ce soit là. Donc là, par contre, ça va coûter... Ça va coûter la peau du fiac. C'est déjà 1500 plus 250. Et là, c'est 1500 aussi. Donc là, il nous faut 1500, 1500. Ça fait 2500. Plus là-bas. Donc je vous laisse faire le calcul. C'est pour ça que je vais faire tourner peut-être je vais faire tourner les machines avant de revenir pour le troisième épisode. Ce qui me paraît le plus normal, vu comment on va avoir besoin d'argent, beaucoup d'argent. Tac. On va avoir besoin beaucoup de pognon. Donc les machines avant tourner. Là, parce qu'en plus, à savoir que ça peut stocker jusqu'à 1000, 1000 de pétrole par machine. Donc ce qu'on fera, c'est... je vais au moins stocker de quoi acheter le métal. C'est du farm passif, donc du coup, ça nous intéresse pas à voir en vidéo. Hein, c'est pas intéressant, donc tout ce qui est pas intéressant, j'évite de vous le montrer. J'essaie de vous montrer un maximum de gameplay. Mais le gameplay non intéressant comme ça... on va s'en passer, je pense. Tac. Hop. Donc là, il va y avoir la remorque, pour sûr. Tac. Alors, la remorque, c'est petite remorque. Putain, la remorque. Celle-là, elle me tente, hein, parce que celle-là, elle est. Vous savez quoi, on la gardera pour la voiture. On mettra les scies au-dessus, tout ça. Là, on va faire un truc assez style de fou, là. Ce que je peux faire, c'est... J'avais dit quoi? J'avais dit un paquet de métal. J'aimerais reprendre du ciment. Donc là, on vient de dépenser la totalité de notre thune. Il nous reste que 25$, mais, c'est pour la bonne cause. D'accord? C'est tout à fait pour la bonne cause. Tac. Donc, ce que je fais, moi, je charge tout ça. Même tout ça là. Tac. Donc là, on a investi, hein, bien entendu. C'est pas le. Merci. De ranger ça correctement.
à savoir que c'est très, très important de les fixer comme ça, parce qu'autrement, vous allez en étaler partout. Moi, la première fois, je les ai juste posés, vous savez, j'ai fait clic, clic gauche, j'ai fait ça. Donc, c'était pas la meilleure strat. Et le jeu me l'a rappelé. J'en ai étalé un peu partout, j'avais la tête ailleurs. Et du coup, sur toute la route, j'avais laissé des morceaux de planches. Ouais, ça m'étonne même pas de moi. Pour ma première partie, en tout cas. Tac. Désolé. Allez, donc ne prenez pas en garde la. Ne prenez pas en compte la remorque derrière, parce que vraiment, sans fou royal, c'est. Vous allez voir qu'elle va faire des gauches-droites souvent. Et je tire là, et là-bas, là-bas, là. Bon. Si t'es encore là, le temps que je recharge, mon frérot. La chance. Enfin, j'achète des balles aussi, parce qu'on est plus. Là, après, je suis pas obligatoirement obligé de le tuer, parce que. On a fait pas mal de poignons, donc. Même s'il en a plus de thunes, mais on a déjà deux trucs en cours, donc le poignon il viendra petit à petit. Quand je rappelle que un baril c'est 500$, donc en gros en 20 minutes c'est rembourser tout ce que j'ai d'acheter pour ce qu'on est en train de construire. Tac. Donc même ce que je vais faire, c'est pour éviter de faire tout le tour. Peut-être passer par une voiture. Tac. Hop, je vais emmener le reste. Avec de la chance, on va peut-être pouvoir finir le. Ah, je sais pas. Je sais pas si on a 100 planches là-dedans. Ah si, on va le finir. Nice. Ça c'est beau ça les gars. Ça. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on vient de faire, ça va marquer l'histoire, je vous le dis. Hein. Pas grand chose, mais ça va marquer l'histoire. Donc le poulailler. Il fait un peu sombre, donc regardons. Ça ressemble à ça. C'est un beau petit poulailler, hein, ça patoche. Là après avec le reste, là je vais le ciment. 50 sur 50. Putain, lui aussi. Ça c'est beau ça. Là c'est magnifique. Mais il y avait déjà du ciment là. Bon, c'est un autre construit. Là ce qui va nous manquer, c'est du métal quoi. Il va nous manquer pas loin de 2500 de métal. Bon, tac. Ça pique les yeux. Ce qui vient de se passer. Ça. Ah, c'est pour mon passé là. Tac, je suis concentré. Hein. Pour la construire, je suis désolé, mais une concentration importante pour moi. Ah, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On n'est pas là pour faire de l'artistique, on est là pour faire un truc qui
fonctionne correctement. Voilà. Et on va même avoir assez de planches pour finir l'enclos. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'en fait, les acheter les planches, c'est pas une mauvaise strat. C'est au contraire une très très bonne strat. Tac, on va transférer les poules dans l'autre enclos. Donc là, on a déjà deux bons enclos. On a les sources de pétrole qui fonctionnent à plein régime. Plus les puits qui commencent à... Le puits d'eau et le grenier qui sont mis en fonction. Qui vont être mis en fonction très prochainement. On peut pas rêver mieux. Tac. Parce qu'il n'y a plus d'œufs. Par terre. Ça m'a l'air d'être good. Tac. Donc tac, l'eau, premièrement. Je pense qu'on va la mettre. Genre. Tac. À savoir qu'après, je ferai un mangeoir. Et je vais devoir le faire maintenant même, le mangeoir. Je viens de voir que j'ai pas récupéré les sacs de grains. Ah, c'est chiant. Chiantos. Tac, on n'aura pas cette planche, mais c'est pas grave. Comment faire un mangeoir, un abreuvoir? Au pire des cas, j'irai couper quand même un ou deux arbres en ellipse, enfin, tranquillement, tout seul. Tac. Donc, je ferme moi un peu de nuit, donc c'est vrai que c'est chiant peut-être pour vous. Moi aussi, je suis désolé, mais c'est plutôt pas mal. On commence à bien avancer, donc on est qu'au jour 3. Donc, on se retrouvera certainement plus tard, parce que je vais farmer, comme je vous l'ai dit, entre-temps, entre l'épisode 2 et 3, il va y avoir pas mal de farms qui vont être lancées. Je pense que je vous attendrai pour finir quand même le grenier et le puits d'eau là. Comme ça, je vais pas faire ça en schlag. Tac, je vais faire ça avec vous. Le but c'est que vous voyez aussi un petit peu de gameplay, donc autant le faire avec vous. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. On est en 2024, d'ailleurs, très très bonne année à vous. Une fois de plus, parce que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo pour Star Citizen. Et je le redis pour ceux qui viennent ici. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, les amis. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!